Je dois dire d'abord que les religieux sont très satisfaits. Ils sont comblés des deux parties, c'est-à-dire les forces vives et Monsieur le Premier ministre. Nous pouvons dire que beaucoup de dossiers ont été mis sur la table et nous avons commencé les études par la grâce de Dieu. Comme les religieux ne sont que des arbitres, ils ont donné l'opportunité à ce que les deux parties puissent étudier. Les engagements ont été pris pour que ces dossiers soient étudiés et que la prochaine rencontre, le débat en profondeur, y commence. Ces dossiers, pour le moment, sont sur la table et c'est les deux parties qui en savent et qui vont en discuter ensuite. Nous ne sommes que des arbitres. Et par la grâce de Dieu, au moment opportun, les noms de ces dossiers seront à votre connaissance. C'est quand la prochaine rencontre? Bientôt, par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup même. Mais beaucoup d'avancées. Que Dieu nous bénisse et que Dieu donne la paix à la Guinée. Les avancées, c'est que les Guinéens sont aujourd'hui autour d'une table, peuvent se parler et peuvent se faire confiance. C'est déjà un pas, un grand pas. Et je compte que dans un laps de temps, les bénédictions seront données à la Guinée.